Alors, je suis dans la région du col de la Donne, donc entre Calps et Estagel. Alors, deux raisons. Un, me replonger dans le monde viticole, comprendre un peu les nouveaux techniques, comment évolue ce monde. Et c'est vrai, se remémorer quelques éléments importants. Et bien, en plus de bien mener la vigne jusqu'à la vendange, c'est le moment de bien déterminer le moment de la vendange. Voilà. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé et motivé, cette préoccupation de bien déterminer le moment de la vendange. C'est selon ce qu'on vient de me dire, c'est un des éléments déterminants pour avoir la bonne extraction et pour tirer le mieux parti du raisin. Alors, je dirais qu'il y a une partie technique, le degré alcoolique, et une partie un peu plus subjective, c'est qui est la dégustation des grains de raisin. Dans l'avenir, c'est une de mes obsessions, c'est de trouver ce bon équilibre entre la maturité phénolique et la maturité technologique ou œnologique ou alcoolique, comme vous voulez l'appeler. Alors, je ne peux faire que des prospectives sur l'avenir, mais il me semble que dans le cadre particulier de cépage et du terroir sur lequel j'œuvre, qui est le Viadonaire Pelout, qui vient de la région de Catalogne. On est sur des vignes avec des faibles rendements, avec peut-être pas des stress hydriques, mais des faibles apports en eau, et qui aujourd'hui peut avoir un intérêt par rapport à cette avancée technologique. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il faut pas. C'est des choses qu'on est en prévision, et donc la première récolte que nous ferons de Viadonaire Pelout se fera en septembre, octobre 2014. Donc on sera là pour les. Voilà. J'espère que vous nous amènerez les bouteilles. Mais il n'y a aucun doute possible. On pourra confronter le terroir du Col de la Donne avec le terroir du Fenouillade. On va le faire. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir, et puis je vous remercie de m'avoir accueilli, de nous avoir fait profiter de tout cet apport à la fois technologique et technique.